Bonjour les petits, aujourd'hui je reprends l'album d'Aldo et je vous lis la dernière histoire, la promenade. Je vais proposer une promenade à Josette, se dit Aldo. Me promener avec quelqu'un que j'aime. C'est ce que je préfère. Ensemble, nous irons jusqu'à la petite mare. Puis, nous grimperons au sommet de la motte. Et nous passerons près du noisetier pour ramasser des noisettes. Tiens, Josette n'est pas chez elle. Ce sont ses traces sur le chemin. En les suivant, je la trouverai sûrement. Là, Josette s'est arrêtée pour cueillir des mûres. Et elle a pris un bain dans la mare. Ses traces mènent au sommet de la motte. Tiens, elle est descendue en roulade. Les traces continuent jusqu'au noisetier, mais il n'y a plus de noisettes. Elle a tout ramassé, se dit Aldo. Elle s'est amusée toute la journée sans moi. La pluie se met à tomber. On ne voit plus les traces de Josette. Le cœur gros, Aldo rentre chez lui. Mais il y a de la lumière dans sa maison. Quelqu'un a allumé le feu et a posé des noisettes fraîches sur la table. Puis, quelqu'un est entré dans la salle de bain. Salut, dit Josette. Je t'attendais pour prendre un bain de mousse. Manger des noisettes dans un bain de mousse avec quelqu'un que j'aime, c'est ce que je préfère, dit Aldo. Et voilà, nous avons lu les trois histoires d'Aldo. Et aujourd'hui, pour faire plaisir à Kélis, il n'y aura pas de questions. Comme ça, j'espère que tu auras apprécié mon histoire. À bientôt les loulous!